Italien. C'est la raison pour laquelle peut-être Jean-Maurice Hogg va venir s'orienter vers le sol avec une toute jeune fille aussi qui ne fait pas partie des six meilleures françaises, mais qui va nous épater. Oh, c'était Aurélie Ludmann. J'ai trop parlé. Elle est de Colmar. Elle est de Colmar, s'entraîne à l'INSEP. Aurélie Ludmann qui est partie comme une bombe dans sa première diagonale et qui n'a pas pu... Eh oui, faute technique à l'impulsion, ce qui ne lui a pas permis de réaliser une bonne figure dans l'espace. Mais je crois déceler chez cette jeune gymnaste d'étonnantes possibilités pour l'avenir. Absolument, elle fait partie des toutes meilleures jeunes qui poussent derrière. Sur le plan chorégraphique, il y aura peut-être quelques touches à apporter sur le choix musical. Hein. C'est pas une réussite. Ah, ça, c'est tout le travail de la chorégraphe et de l'entraîneur. Il faut adapter à la plastique, à la personnalité de la jeune fille, la meilleure chorégraphie possible. Voilà, une série acrobatique, rondade de flip et double arrière. Voilà, la fin meilleure que le début, mais on sait pourquoi. Lorsqu'une gymnaste aborde le sol féminin, c'est souvent dans sa première diagonale qu'elle met toute son énergie et toute son impulsion. Et parfois, eh bien, il y a un petit débordement du tapis.